Merci Pascal Gendron pour votre capsule santé de la semaine offerte par le Centre communautaire francophone de Sarnia et Gendron Nutrition, votre coach en santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine E. La vitamine E est aussi appelée tocopherol. C'est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elle est emmagasinée dans vos graisses. La vitamine E joue un rôle essentiel dans la protection des membranes de toutes les cellules de l'organisme. Comme plusieurs vitamines, elle est un antioxydant. Donc, elle contribue à la neutralisation des radicaux libres. Stressez-vous pas, on va vous expliquer dans une autre capsule c'est quoi les radicaux libres. Elle réduit l'oxydation du LDL, qu'on appelle les lipoprotéines à faible densité. Souvent, on appelle aussi le mauvais cholestérol. La vitamine E a une propriété anti-inflammatoire, anti-plaquette, anti-vasodilatrice, et donc, elle joue un rôle cardioprotecteur. Passons maintenant aux bienfaits. Elle diminue les risques cardiovasculaires, elle diminue le stress, contribue à maintenir une peau en bonne santé. Elle est un antioxydant, comme on l'a mentionné au début, protège contre les maladies neurodégénératives. Et maintenant, passons à certaines sources pour la vitamine E. Les avocats, les sardines, les asperges, les épinards, les noix comme les amandes, les noix de Brésil, les œufs de poisson, les graines de tournesol et autres. C'était votre capsule santé de la semaine avec Pascal Gendron, votre coach en santé bien-être. N'oubliez pas, une santé bien balancée pour une vie de meilleure qualité. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée!